Depuis 2011, la coopérative dauphinoise, par sa filiale Œufs Sud-Est, est devenue un acteur majeur de la production et de la commercialisation d'œufs dans la région Rhône-Alpes. En 2016, cette activité est assurée par notre filiale Envie d'œufs Sud-Est grâce au partenariat entre Œufs Sud-Est et Babycock. Aujourd'hui, dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, Envie d'œufs Sud-Est, c'est 130 éleveurs de poulettes et pondeuses, 850 millions d'œufs vendus, dont 5000 tonnes d'œufs transformés, 6 centres de conditionnement et une casserie, 370 collaborateurs et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Grâce à nos marques vendues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Envie d'œufs Sud-Est garantit une relation directe entre le producteur et le consommateur. Depuis plusieurs années, le marché de l'œuf se développe sur des productions dites alternatives, favorisant l'élevage de poules en plein air, sous signe de qualité. Pour accompagner cette croissance, qui se confirme depuis de nombreuses années, nous avons décidé de mener un projet ambitieux, dont l'objectif est la création, sur notre territoire, de plus de 30 bâtiments dans les 3 ans. La production d'œufs alternatifs, c'est quoi ? Les normes d'élevage de poules pondeuses sont définies par la communauté européenne. Pour un élevage de plein air, il faut un bâtiment d'environ 1700 m² et 6 hectares de parcours extérieur pour un lot de 15 000 poules. En appellation label rouge, un bâtiment de 1500 m² comprenant 3 hectares de parcours extérieur est nécessaire pour élever un lot de 6 000 poules. Enfin, pour une production dite biologique, un bâtiment de 1500 m² avec un parcours de 3,6 hectares peut accueillir 9000 poules. Pour tous les modes d'élevage, pour la création du parcours des pondeuses, tous les terrains peuvent convenir, en pente, prairies, bois, terres de culture, à condition qu'aucun ruisseau, point d'eau ou chemin ne traverse le parcours. Le terrain doit bénéficier d'une surface plane de 2000 m² permettant d'implanter le bâtiment, mais aussi être proche d'un accès routier pour les livraisons d'aliments et l'enlèvement des œufs, tout en étant à plus de 100 mètres des habitations. Les équipes de fermiers du Sud-Est apportent leur expertise métier pour accompagner les futurs éleveurs tout au long de leur projet. Leurs conseils en choix de bâtiments et matériel, en recherche de subventions, en études financières et administratives permettront aux futurs éleveurs de démarrer cette nouvelle aventure en toute sérénité. Dans une deuxième phase, dès l'acceptation du dossier par l'administration et les organismes financiers, un contrat d'intégration est établi entre l'éleveur et fermier du Sud-Est. Dans notre contrat d'intégration, nous nous engageons sur le nombre de poules, la rémunération fixe bonifiée par des primes qualité, et ce, pendant toute la durée des amortissements. Le technicien référent accompagne l'éleveur à chaque étape de la vie des poules. Depuis la commande du lot de poulettes à l'arrivée des poules dans l'élevage à 17 semaines, puis régulièrement durant toute la période de production d'œufs jusqu'à la réforme, soit environ un an après l'arrivée des poulettes. La journée de notre éleveur commence entre 6h30 et 7h du matin par une visite de surveillance du bâtiment. Chaque jour, l'éleveur protège son bâtiment par une application des mesures de biosécurité en passant par un sas sanitaire, le lavage des mains, le port de vêtements spécifiques et de chaussures adaptées font partie du rituel quotidien de l'éleveur. Notre éleveur effectue un contrôle visuel détaillé, la consommation d'aliments et d'eau, l'ouverture des pondoirs, le bon fonctionnement de la ventilation, l'éclairage, tout est inspecté chaque matin. Au cours de la matinée, l'éleveur procède au ramassage et au tri des œufs. Pour la collecte des œufs, il n'y a pas de tranche horaire précise à respecter, mais cette étape nécessite environ 1h30 à 2h de disponibilité. Chaque éleveur bénéficie du matériel nécessaire au stockage des œufs. Le centre de conditionnement fournit l'ensemble des alvéoles, des intercalaires et des palettes plastiques. Deux types de ramassage sont possibles, un ramassage manuel ou un ramassage semi-automatique. Une fois triés,
les œufs sont stockés sur des palettes dans un local dédié et climatisé. Dans le cadre d'une démarche RSE, responsabilité sociale et environnementale, Fermiers du Sud-Est utilise des alvéoles, des intercalaires et des palettes plastiques qui sont lavées et désinfectées par les centres de conditionnement après chaque utilisation. Les œufs sont collectés 2 à 3 fois par semaine par nos chauffeurs pour être acheminés vers nos centres de conditionnement. En fin de matinée, durant une trentaine de minutes, l'éleveur réalise une visite de contrôle de son cheptel. Il ramasse alors les quelques œufs pondus à l'extérieur des nids, procède à l'ouverture des trappes de sortie et vérifie le bon état sanitaire de son lot de poules. À l'aide d'un ordinateur fourni par la société, l'éleveur procède à l'enregistrement des données de son élevage, la consommation d'eau et d'aliments, le nombre d'œufs ramassés. Cette étape ne nécessite pas plus de 5 minutes. Grâce à ce système, l'élevage est en lien permanent avec le service technique de Fermiers du Sud-Est. En fin de journée, l'éleveur réalise un dernier tour de surveillance de son bâtiment. Il fait rentrer les poules et procède à la fermeture des trappes. Sur une journée de 12 heures, au total, seules 3 à 4 heures de disponibilité sont nécessaires pour la conduite de l'élevage. Le suivi de la production est assuré par une visite régulière du technicien sur l'élevage. Celui-ci peut consulter à tout moment et à distance les données saisies par l'éleveur. Oui, allô, Cédric. Bonjour, c'est David. La gestion technique d'élevage, la GTE, est ainsi assurée avec une parfaite fiabilité. J'ai un problème de consommation d'aliments. Alors attends, je vais me mettre sur ta courbe. Alors par rapport aux chiffres que tu as rentrés, effectivement, je constate que ça baisse. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier tes passages d'aliments. Et si tu vois que demain à 13h, tu n'as pas ton vide de chaîne comme il faut, je passerai mercredi te voir. Fermiers du Sud-Est apporte ainsi un service global à l'éleveur, un appui administratif à travers la déclaration de mise en place des lots et le suivi des analyses réglementaires, un accompagnement comptable par la réalisation des factures mensuelles pour le compte de l'éleveur et des conseils sanitaires s'appuyant sur l'expertise d'un vétérinaire. Enfin, un service qualité garantissant une traçabilité des œufs et le respect des cahiers des charges grâce à des analyses quotidiennes. Si vous êtes intéressé pour participer à cette aventure et concrétiser un projet de bâtiment de poules pondeuses en bio, en plein air ou en label rouge et que vous disposez de 3 à 12 hectares de terrain, nous vous garantissons pour 3 à 4 heures de travail par jour un accompagnement technique et économique, un suivi technique régulier et un revenu stable dans le temps compris entre 1 000 et 2 000 euros net après MSA.